là, nous sommes à Louvain-la-Neuve pour cette première balade avec le Villard et aujourd'hui avec Paul Aymon. Donc, Paul Aymon qui est l'auteur de Don Quichotte. Don Quichotte qui est le spectacle qui se joue actuellement au Studio 12, au Théâtre Jean Villard. Alors, Paul Aymon, c'est une personnalité littéraire très, très importante de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est modeste, il est romancier. Donc, vous êtes auteur dramatique, vous avez été, j'ai un peu lu sur vous et j'ai lu que vous aviez été nourri depuis votre plus tendre enfance aux textes classiques, Verne, Dumas, j'ai lu Dostoïevski. Et puis, assez logiquement, votre amour de la langue vous a mené vers des études de philologie. Oui. Comme Nietzsche. Hein. Peut-être. Nietzsche, oui. Il avait aussi, il n'avait pas fait la philosophie, mais il avait fait la philologie. Voilà. Et d'ailleurs, comme Nietzsche y pensait aussi en marchant, comme ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire. Il faut savoir que vous avez été mon professeur d'histoire de la littérature à l'IAD. Oui. Je ne sais pas si vous en souvenez, oui. Je n'étais pas un très très bon élève en histoire de la littérature. D'ailleurs, et j'ai remarqué que dans les années 70, vous étiez parti en Tchécoslovaque. Oui. Où vous avez fort logiquement découvert les grands auteurs tchécoslovaques que sont Kafka et Kundera. Oui. Et alors c'est marrant parce que moi je me suis toujours dit quand vous me donniez le cours d'histoire de la littérature que c'était pas du tout un cours d'histoire de la littérature, mais par contre vous nous partagiez votre passion pour ces auteurs et donc c'est vrai que vous m'aviez fait découvrir Kundera, Kafka, aussi Borges. Oui. Qui était, et vous parliez vraiment beaucoup de ces auteurs-là et donc là j'imagine ça a été déterminant. Parcours. Oui, c'était très important, vraiment très très important, non seulement pour ces auteurs-là, mais aussi pour le théâtre. Ce qui m'a sauté aux yeux, que je ne connaissais pas dans les théâtres, c'est que je voyais les acteurs jouer de manière tout à fait différente d'ici, et en fait, je me suis quand même pas mal documenté après, etc. Le fait est que ces pays-là viennent d'une esthétique, enfin ont cultivé une esthétique et qui est l'esthétique expressionniste qu'on trouve dans la peinture, qu'on trouve dans différents arts, qui est très très peu développée au niveau francophone. C'est ça. Et donc ce sont des acteurs qui jouent différemment, qui jouent beaucoup plus avec le corps par exemple. D'accord. Et j'ai vraiment été très, très surpris au début et assez enthousiaste de ça. Enfin, c'était assez fascinant, et surtout qu'à l'époque, c'était quand même, le théâtre était, je ne vais pas dire clandestin, mais était à moitié, seulement à moitié admis, sauf les grands théâtres officiels, et que Maya, ma femme que j'avais rencontrée, qui était tchécoslovaque, mais qui en fait était née en Slovaquie, mais à l'époque c'était le même pays, que j'avais rencontré à Prague, m'entraînait dans des petits théâtres absolument formidables, où sur 4 mètres carrés, on refaisait le monde et on critiquait le régime sans le critiquer, mais toujours à la limite. Enfin, c'était vraiment passionnant. Vous avez écrit votre premier roman en 1979, La danse du fumiste. Oui, je l'ai même écrit plus tôt, il était publié en 77, mais je l'ai écrit à Prague. D'accord. Je l'ai écrit à Prague et je pense que c'est parce que j'étais dans un environnement qui n'était pas mon environnement linguistique, qui fait que je baragouinais vaguement le tchèque que j'apprenais, mais je parlais anglais, et les gens avec qui je parlais français, c'était pas leur première langue. Et donc j'ai eu une espèce de... c'était comme une cocotte minute, enfin, ça, ma langue française, je pouvais pas la sortir comme nous la sortons normalement. Et donc, à un moment donné, c'est sorti dans... Il fallait l'écrire. Il fallait l'écrire, et mon premier roman n'a qu'une seule phrase, parce que c'était... D'accord. C'était un jet qui sortait, oui. Vous prenez plusieurs années hein, pour vous mettre au théâtre. C'est avec Philippe Sireuil. Voilà. Qui vous commande une pièce, c'est ça? Oui, qui voilà. S'appelle La pupille du tigre. Les pupilles du tigre, Les pupilles du tigre. Oui, oui. En 1986. En 1986, et... ça n'a pas été très facile parce que je venais du roman. Voilà. J'allais beaucoup au théâtre, mais l'écriture du théâtre, ça ne... c'est un autre métier. Et je dois dire que Philippe a été assez formidable parce qu'il m'a vraiment suivi de près, par-dessus l'épaule. Il y a je ne sais combien de versions
de cette pièce et j'ai vraiment appris énormément. Philippe Sireuil, qui aujourd'hui est le directeur du théâtre de la Place des Martyrs, qui est le fondateur du théâtre Varia, et qui a même été directeur pendant 2 ans de l'atelier théâtre Jean Dulard. Oui. Donc, metteur en scène important, hein, Philippe Sireuil. Oui. Après, vous avez fait, vous vous êtes vraiment lancé à corps perdu, si je puis dire, dans le théâtre. Hein, oui. Vous avez enchaîné les pièces, les adaptations théâtrales, oui. Shakespeare, Euripide, Flaubert récemment, Cervantes, mais déjà avant, hein, vous avez fait pas mal d'adaptations pour le Rideau de Bruxelles, oui, Julien-Henri Marchand, vous étiez dans la bande à Julien-Henri Marchand, comme on dit. On peut dire. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans ma mémoire à tout jamais. C'est la première lecture publique qu'on a faite des Pupilles du Tigre, c'est la première fois que je voyais mes mots, mes petits mots du papier, mes petits personnages, qui n'étaient que des personnages de papier, brusquement devenir décor devant moi. Et alors, l'auteur, il se prend un peu pour Dieu le Père. Enfin, il se dit, oh, ce sont mes créatures, c'est formidable, c'est formidable. Et il y a une sorte de frontière très poreuse qui se fait. Enfin, j'ai 6 ou 7 acteurs devant moi, je les connais bien, j'ai été à des répétitions, des choses comme ça, donc on va prendre des verres ensemble, bon, ce sont des amis. Et puis, brusquement, ils passent de l'autre côté du miroir et ils deviennent mes personnages. Ah, c'est fabuleux. Et c'est vraiment comme un virus que j'ai attrapé. Alors, c'est vrai que j'ai continué à écrire des romans, des nouvelles, etc. Mais vraiment, le théâtre, l'écriture du théâtre est devenue quelque chose de très important pour moi. En 2011, vous rentrez à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Alors, on pourrait se dire que c'est anecdotique, mais moi, ça m'a particulièrement intéressé. Parce que cette Académie a quand même un certain prestige. Alors, bien sûr, on a la référence de l'Académie française, évidemment, de France, je veux dire. Mais quand même, il y a une Académie royale de langue et de littérature française en Belgique. Avec 40 fauteuils. Vous avez d'ailleurs le fauteuil numéro 1. Oui, ça c'est un hasard complet. Qu'est-ce que vous faites? Alors, cette académie qui existe depuis 1920. Oui, voilà. C'est pas comme l'Académie française avec le grand décorum et tout ça. Mais je vais d'abord dire une chose, c'est qu'à la différence de l'Académie française, on ne pose pas sa candidature, on est coopté. D'accord. Voilà. Donc vous n'avez pas remis un dossier ou une candidature. Il y a quelqu'un qui est venu vous trouver qui a dit... Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Jacques de Decker, qui était secrétaire perpétuel, et qui m'a dit, écoute, voilà, tu es nommé, ça ne se refuse pas. C'est une sorte de club, en quelque sorte. C'est une sorte de club, et j'aime bien le mot club, d'ailleurs, parce D'accord. que c'est ça. J'ai vu avec beaucoup de plaisir, parce que j'ai un certain nombre d'amis, ou de gens qui sont devenus des amis. On va s'asseoir ici, peut-être. De gens qui sont devenus des... C'est bien un bourgmestre. Hein. Ah, bien, voilà. Donc c'est pas un auteur ni un poète, c'est un bourgmestre. Bonjour monsieur le bourgmestre. Le comte Yves du Monceau de Bergandal, qui était bourgmestre en 59 jusqu'à 1989. Ah oui, donc quand même une longue vie. Oui. Bon, il y a des prix d'abord. Tous les ans, il y a des prix qui sont décernés par l'Académie. Et il y a notamment un grand prix des arts du spectacle. C'est l'année passée, c'est Stanislas Coton qui l'a eu. L'année précédente, c'est Alex Lorette qui, je pense, va avoir une pièce. La vie comme elle vient, qui va se jouer en fin de saison au village. Voilà, donc ça donne quand même une certaine. Je sais que Alex, par exemple, était très content de l'avoir. Il l'a proclamé sur Facebook et ailleurs. Enfin, bon, voilà, c'est quand même un certain honneur. Il y a un prix du roman, il y a un prix de la poésie, etc. Donc, il y a ces prix. Et on a un programme de publication assez important. Mais vous ne réfléchissez pas à l'orthographe et à comment on doit... Alors, si. Par exemple, nous avons émis très récemment un avis sur ce qu'on appelle l'écriture inclusive.
J'ai noté quelques fauteuils où j'ai retrouvé quelques personnalités. Il y a le fauteuil neuf où il y a eu quand même Materlin, Henri Beauchaud et maintenant il y a Jean-Philippe Toussaint. Donc Materlin quand même qui a ouvert ce fauteuil. Oui, je crois qu'il ne venait jamais, mais enfin il est. Il l'avait. Il était mort. Il y a le fauteuil 26 où il y a eu Georges Simenon et aujourd'hui il y a Amélie Nothomb. Absolument. Qui y est. Absolument. Donc oui. Vous côtoyez Amélie Nothomb de temps en temps De temps en temps, disons qu'elle ne vient pas souvent, mais oui, elle est membre. C'est ça. Et puis alors, un fauteuil qui m'a particulièrement intéressé, alors évidemment c'est les étrangers, c'est le 33 qui a quand même été créé par Anna de Noailles, enfin moi qui ai une poétesse que j'adore, si vous ne connaissez pas Anna de Noailles, allez voir, c'est une poétesse incroyable. Colette lui a succédé. Et puis Cocteau, c'est ça. Et Cocteau, oui. Et aujourd'hui c'est Éric-Emmanuel Schmitt qui a le siège. Pas beaucoup de femmes hein, quand même. Mais il y en a quand même plus qu'à l'Académie française. Ah, il y en a eu dès le début. Oui, il y en a eu dès le début, puisque Anna de Noailles était déjà tout à fait. Il y en a quand même quelques-unes. Et Caroline Lamarche, par exemple, Corinne Hooks. Il y a un certain nombre. Oui, tout à fait. Et dans les philologues aussi. Oui. Allons vers Don Quichotte. Allons vers Don Quichotte. Donc Don Quichotte, c'est votre... Donc ici, il y a Don Quichotte avant la nuit, je l'ai dit au début, qui se joue pour le moment au Studio 12 de l'Atelier Théâtre Jean Villard, qui est une pièce que vous avez écrite. Hein. Ce n'est pas tout à fait une adaptation. Vous allez peut-être nous en dire un peu plus, mais vous aviez déjà écrit une adaptation de Don Quichotte il y a quoi, une vingtaine d'années, je dirais. Pour Jules-Henri Marchand, au Rideau de Bruxelles. Et ici, c'est une adaptation, on va dire, plus libre encore. Hein. Oui, plus libre. Ouais. Et ici, c'est une idée du... C'est parti d'une idée du metteur en scène, d'Alain Bourgeois, qui, quand il m'en a parlé, j'ai dit oui, tout de suite, je trouvais ça formidable comme idée, et qui était de placer deux personnages, ou bien, on peut dire directement, Quichotte et Sancho, en soins palliatifs aujourd'hui et de leur faire la traversée du miroir donc de sortir par le haut parce que ces deux personnages s'identifient à ces deux personnages, ce ne sont pas des personnages épiques bien sûr, mais ces grands personnages en quelque sorte et vivent leur mort de manière magnifique. Oui, je trouvais cette idée superbe et donc on est parti là-dessus en reprenant un certain nombre d'épisodes racontés par Cervantes, mais évidemment en les adaptant complètement à une chambre d'hôpital et puis en transformant, je ne vais pas raconter la fin, mais en transformant la fin, c'est du Cervantes si on veut, mais c'est autant du Polémon si je peux me permettre. Oui, donc je rappelle juste Don Quichotte, grand roman de Cervantes du XVIIe siècle. Alors, on pourrait parler beaucoup, on pourrait dire beaucoup de choses sur Don Quichotte. Mais alors, moi je voudrais quand même revenir sur votre adaptation et sur aussi en quoi elle est aussi différente, je veux dire profondément différente de la version de Cervantes. Parce que Don Quichotte, c'est quand même celui qui s'invente son monde, hein, oui. qui puise dans les romans de chevalerie son inspiration, quelque part, et qui se reconstruit un monde à partir de ce qu'il a de ses lectures, en fait, et de tout cet imaginaire qui lui a été communiqué par les livres. Mm-hmm. Hein, donc les livres, finalement, sont les faiseurs de sa propre réalité. Et puis, dans le roman, Don Quichotte sort et a un effet sur le réel. Ici, c'est comme si l'imaginaire suffisait dans votre adaptation. Don Quichotte, il ne sort pas. Il reste enfermé dans sa chambre. Et finalement, ça ne change pas grand-chose. D'une certaine manière, il y a quand même un rapport profond. Parce que qu'est-ce que c'est Don Quichotte ? Ben, c'est quelqu'un qui transforme sa passion de la littérature en vie. Je veux dire, au lieu de devenir un personnage littéraire, il vit ce personnage littéraire. Oui, donc d'une certaine manière, lui aussi, il passe à travers le miroir. Et ici, ces deux personnages de la pièce, à un moment donné, vivent Don Quichotte et Sancho. Ils ne le rêvent pas seulement, ils le sont. Ils ont l'impression de l'être complètement. Mais est-ce que finalement, nous, dans nos existences quotidiennes, on n'est pas tous finalement aussi à s'inventer le monde dans lequel on vit
sur base des fictions qu'on nous a racontées, qui peuvent être notre éducation, qui peuvent être nos, les rencontres importantes qu'on a faites et qui, quelque part, définissent notre façon de percevoir le monde. Et que finalement, on est tous construits par des fictions. Peut-être qu'on en a moins conscience et peut-être que... Mais bien sûr. La pièce ici, Don Quichotte, ou le roman Don Quichotte, quelque part, nous le rappelle. Mais bien sûr. Sauf que on garde quand même, si on est un rien sensé, entre guillemets, on garde quand même un œil là-dessus. Je veux dire, on ne l'est pas complètement. Mais il est clair que les, par exemple, si on prend tout le courant conspirationniste, etc., aujourd'hui, les gens qui mangent des sites internet à longueur de journée qui racontent ça, oui, ils s'identifient complètement à ces idées. C'est clair, c'est clair. Mais dans la littérature elle-même, d'ailleurs, un des. Parce qu'on n'imagine pas, on ne pense pas à l'influence qu'a eu Don Quichotte. Si vous prenez un roman comme Madame Bovary, en fait, Madame Bovary descend de Don Quichotte en quelque sorte, parce que si Madame Bovary, si Emma Bovary est ce qu'elle est, c'est parce qu'elle se nourrit de romans d'amour à l'eau de rose de la même manière que Don Quichotte se nourrissait de romans de chevalerie. Et elle aime l'amour. Et elle aime l'amour comme Don Quichotte aime la chevalerie. On parle beaucoup de Don Quichotte, mais il y a quand même Sancho. Moi, je vous avoue que pour moi, le vrai héros de ce roman, c'est Sancho. C'est d'ailleurs celui auquel on s'identifie le plus, je trouve, quand on lit le roman. Alors, je pense que c'est une des grandes intelligences de Cervantes, c'est que, qui a fait le succès du roman aussi, une des raisons, c'est qu'en fait, il a repris à sa manière le couple traditionnel qui existe depuis l'Antiquité, du maître et du valet. Archétypal. Archétypal, voilà. Qui va continuer par la suite et qui traverse toute l'histoire du théâtre aussi. C'est aussi pour ça que... Sganarelle et Don Juan. On a facilement envie de tirer Don Quichotte vers le théâtre, parce oui. qu'il y a ce couple qui est à la fois complice et antinomique, et qui amène d'emblée le conflit, la complexité, toute la dynamique de l'histoire. Oui, effectivement, c'est très très important. Oui, et puis il y a aussi le fait qu'il leur arrive plein d'aventures aussi. Et donc c'est aussi un élément qui doit donner envie. Il leur arrive plein d'aventures, et puis il y a le côté parodique. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Imaginez que en fait, au départ, quand Cervantes commence à écrire Don Quichotte, c'est simplement pour se moquer des romans de chevalerie. Alors oui. Imaginez par exemple quelqu'un qui aujourd'hui écrirait une parodie du roman policier pour se moquer du polar, et son roman deviendrait une œuvre universelle, mondiale, traduite en je ne sais combien de langues, qui va traverser les siècles, etc. Et c'est incroyable. Et Don Quichotte incarne aussi d'une certaine façon l'homme des mots, oui. L'homme où la réalité passe par les mots, et Sancho, l'homme où la réalité passe par la réalité, enfin par le ressenti, par, oui. Par le ventre, par oui. la sensation, etc. Oui, d'où d'ailleurs cette ambiguïté dès le départ, qui fait que Don Quichotte, parce qu'il y a une ambiguïté, et qui est une ambiguïté fondamentale, Don Quichotte est le premier roman, peut-être le plus beau de tous les romans d'ailleurs, parce que le roman n'existe pas... Le roman moderne, oui. À la sortie du Moyen-Âge. Oui, ouais. Parce que le roman n'existe pas, ce roman-là, sans la complexité, sans l'ambiguïté. J'ai toujours l'habitude de dire, mais qu'est-ce que c'est Don Quichotte? Est-ce que c'est une exaltation de l'idéalisme? Oui, 100 fois oui. Et il y a des bibliothèques entières qui le montrent. Mais... Est-ce que Don Quichotte, c'est pas aussi une critique virulente de l'idéalisme? Oui, 100 fois oui. Ah, moi je pense et il y a que des oui, bibliothèques c'est entières qui le montrent. Oui, c'est alors ça. C'est deux c'est choses comment on le lit en même temps. Voilà. Selon sa sensibilité. Voilà. Et vous seriez plutôt Don Quichotte ou Sancho? Ah non. Parce les que deux. Vous êtes un homme de mots. Hein, oui, mais non, les deux. C'est-à-dire qu'il faut garder l'ambiguïté. Je veux dire, c'est,
c'est cette ambiguïté qui fait la richesse, c'est le fait qu'on peut le lire de différentes manières. C'est cette ambiguïté qui fait que c'est du roman, que ce n'est pas de la morale, de l'idéologie, et ainsi de suite. Pour terminer notre balade, je voulais savoir, est-ce que vous en avez fini avec Don Quichotte ou alors... Sauf si quelqu'un me demande une nouvelle adaptation, alors pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Mais vous savez, c'est inépuisable. Un auteur magnifique comme Gabriel Garcia Marquez, qui est le plus grand auteur latino-américain, disait « Je relis Don Quichotte tous les ans. » Ah oui. Tous les ans. Voilà. Hein, donc c'est vraiment une œuvre fondatrice et qui est aussi jeune, qui est plus jeune que bien des romans qui paraissent aujourd'hui. Merci beaucoup, Paul Aymon. Avec plaisir. Et bien, à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci beaucoup.